Le point de départ, c'est que j'ai filmé dans le village de ma mère, de mes grands-parents, de mes ancêtres, et j'avais un peu d'honorer un peu leurs valeurs, leurs petits gestes, leur silence habité. J'aime bien dire leur souveraine soumission, non, leur capacité d'accepter toujours ce que la vie leur donne. Et quand j'étais petit, j'allais là-bas, j'étais très touché de leur stoïcisme. Enfin, c'est une vie des fois un peu dure. Algunas revolas están secas. Serán o cancro. Je suis de ceux qui croient qu'il y a une relation très mystérieuse entre les images et le métabolisme humain. Dans ce film, on a très humblement voulu se connecter avec cette vibration, non ? L'univers, le monde, y vivre, non ? Et nous, aujourd'hui, on est très dissociés, non ? Dans les villes, et bon, on a essayé de s'apaiser et d'aller dans cette cadence, dans ce rythme, dans cette musique cosmique. Le feu qui veut que l'eau l'éteint, les arbres qui veulent que le feu les brûle, enfin, on voulait se connecter à cette symphonie, un peu, qui est le monde. Et c'est quelque chose que seulement le cinéma peut faire sentir, peut faire évoquer. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Mire comment sobresalen por encima dos otros. Los eucaliptos salen a toda mecha buscando cel. Je suis quand même un cinéaste qui travaille avec des images et je sais qu'avec des moyens, je peux faire un meilleur travail, non, un travail plus précis. Donc, être ici, ça nous légitime, non, pour ne pas rester dans les marges. J'ai trois projets, trois films à Cannes, les deux premiers primés. J'ai jamais été appuyé par la télévision espagnole dans mes films, jamais. Sans l'appui des télévisions, c'est impossible de faire du cinéma. Mais, comme dit la phrase, qui espère désespère, et bien évidemment, on n'attend personne. Hein. On fait nos films, on a besoin de les faire, il n'y a pas d'excuse pour ne pas les faire. Et on les fait d'une manière ou d'autre. Non ? J'essaie d'être généreux et d'être pédagogique avec mon public. J'essaie d'être clair. On a une responsabilité d'être clair, mais on comprend, en étant cinéaste, que la meilleure manière d'être responsable des spectateurs, c'est en étant obscur. Il doit y avoir quand même un dosage. Il faut quand même qu'il y ait du cinéma, qu'il y ait de la polysémie, qu'il y ait du lyrisme, parce que sinon, rien ne va pénétrer le corps de l'être humain, enfin sa peau. Mais quand même, le monde est encore très beau, non ? Non ? Je crois. C'est une bonne conclusion, non ?